Vous savez, le péché de chez Action, c'est que quand tu vas pour un truc, tu sors avec plusieurs trucs. Donc là, j'étais partie vraiment pour deux trucs et je suis sortie avec tout sauf ce dont j'étais partie. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo motivation ménage. Alors le programme d'aujourd'hui, on va faire le ménage, je vais faire une petite pause, tout simplement parce que je vais faire un tour chez Action. Je vais aller me ravitailler pour les biscuits de Noël, comme vous voyez, j'en ai presque plus, donc je vais aller en racheter chez Action. Je vais m'arrêter peut-être chez Lidl et je rentre. Donc là, vous voyez l'état de la cuisine. C'est la Bérésina, quoi. Du coup, on va nettoyer tout ça et je vais faire un peu les toilettes également. Et puis voilà, je vous montre ce que j'ai acheté chez Action. Et puis voilà, c'est parti. Aujourd'hui, je vais commencer par faire la vaisselle et après, je vais aller nettoyer le plan de travail. Et après, on va faire le sol et le sol, donc la serpillière, l'aspirateur, tout ça, tout ça. Et comme je vous ai dit, après, on ira chez Action. Donc là, j'ai déposé Ivan. Je fais ma petite routine comme d'habitude. Et après, on y va chez Action. Je ne sais pas s'ils ont des nouveautés. Ça fait un moment que je ne suis pas y allée. Je ne suis vraiment pas. Hier, j'ai discuté avec une amie qui m'a fait en visio ses achats d'actions. Et du coup, je dis, ah bah, tiens, comme j'avais envie de faire un tour, elle m'a motivée à y aller. Donc, je vais aller voir ce qu'ils ont. Et je vous montrerai comme d'habitude. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away. Terminé, là je vais passer au plan de travail. Je vais déjà enlever le plus gros et ensuite je vais venir asperger le produit. Le plan de travail aujourd'hui, je vais utiliser ce produit de chez Iman qui est pour moi vraiment très très efficace. Je ne connaissais pas. J'ai juste découvert ça sur TikTok et je suis allée l'acheter, mais je vous assure que
Le premier jour où je l'ai utilisé, j'étais vraiment conquise. Les amis, là je suis rentrée de chez Action, donc j'ai trouvé pas mal de trucs. Comme je vous avais dit, je partais au départ pour les feuilles parce que je voulais faire un DIY avec mes enfants concernant les tableaux de Noël. Et ensuite, je voulais également acheter des gâteaux de Noël que j'avais plus. Les gâteaux de Noël, ils ont été dévalisés chez Action, il n'y avait plus rien. En tout cas, dans mon Action, il n'y avait plus rien. Donc, mais bon, vous savez, le péché de chez Action, c'est que quand tu vas pour un truc, tu sors avec plusieurs trucs. Donc là, j'étais partie vraiment pour deux trucs et je suis sortie avec tout sauf ce dont j'étais partie. Bon, donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Donc, en premier, j'ai trouvé des chaussettes comme ça. Donc, ils sont un peu anti-dérapants là. J'en ai pris pour trois. Donc, j'ai pris trois modèles. J'en avais déjà pris trois. Donc là, j'ai rajouté trois. Comme ça, on aura tous nos chaussettes à Noël. Ensuite, je suis tombée sur ces moules-là qui sont juste... Mais vraiment, regardez comment c'est magnifique. Il y avait beaucoup de modèles. Il y avait en tarte, en muffin. Je pense en donut, si je ne me trompe pas. Tarte et muffin, c'est sûr. Donut, je ne sais plus. Et avait en quatre quarts comme ça. C'est anti-adhérent. Et il y avait deux couleurs. Il y avait, je pense, du bleu et du rose. Bon, ben, j'ai préféré aller sur le girly. Donc, du coup, j'ai pris du rose. Ensuite, toujours dans la pâtisserie, j'ai pris ce lot-là de bols pour pâtisserie. J'ai trouvé ça très, très sympa. Il y en a trois dedans. 1,5 litre, 2 litres et 3 litres. J'ai vraiment trouvé ça très, très, très sympa. Avec trois couleurs différentes. Donc là, pour faire la pâtisserie, on sera bien gâté. Alors, concernant ces tasses-là, je suis tombée sur ça. J'ai trouvé ça juste magnifique. Donc, ce sont des verres comme ça en double paroi. On peut mettre du chaud et puis on peut mettre du froid. Et on ne va pas le sentir, en fait, la température, on ne va pas le sentir parce que c'est en double paroi. Donc, comment vous dire que quand je suis tombée sur ça, j'ai dit, waouh, ben, je les ai pris. J'en ai pris deux pour voir. Et si ça résiste bien, je pense que j'en reprendrai deux ou trois autres. Donc, vraiment, j'étais très, très ravie. Parce que je sais que j'en avais déjà acheté chez Amazon, c'était beaucoup plus cher. Et là, chez Action, je pense que je l'ai eu à moins de 4 euros. De mes souvenirs, moins de 4 euros. Ensuite, j'ai repris ce produit qu'on connaît tous. Je pense que vous le connaissez parce que j'en ai déjà présenté plusieurs fois sur ma chaîne. C'est un produit qui aide à enlever les stickers. Et comme j'avais besoin d'enlever des stickers sur
des trucs chez moi, donc du coup j'en ai repris. Et pour finir, je suis tombée sur The Pig Stuff en spray. Il restait qu'un seul. C'était pour moi celui-là. Donc je suis passée à côté, puis j'ai vu celui-là. Je dis, bah dis donc, j'étais même pas au courant qu'Action avait reçu ça. Donc du coup, je suis tombée sur ça. Bon, il restait qu'un seul. J'ai pris le seul qui restait. Et j'étais super, super contente. Je l'essaierai et puis je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, pour finir, j'ai pris ce complet de nettoyage pour le sol. Alors, ce que j'ai vraiment aimé, je l'ai eu à 20 euros. 19 euros et des brouettes. Ce qui m'a séduit, c'est le fait qu'il y ait deux compartiments. Parce qu'en général, je pense que c'est Vileda qui faisait un seul compartiment et j'aime pas trop. Donc là, j'aurai deux compartiments, un pour l'eau sale et un pour de l'eau avec le produit propre. Donc, et ils promettent que ben, l'éponge est super absorbant. Et ça, j'ai vraiment aimé. C'est surtout le fait que ce soit séparé hein, qui m'a le plus séduit. Parce que j'aime pas trop quand on a un seul bac, on prend l'eau sale. Enfin, j'aime pas trop. Et le fait que ce soit séparé, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Et vous savez, c'est donc le style. Ben, je pense que vous êtes déjà tombé sur ce genre de... Je sais que beaucoup de grandes marques le font. Et bah là, j'ai juste pris la marque de chez Axia, en fait. Ou en essor, en appuyant sur une pédale. J'en avais déjà il y a longtemps, mais j'aimais pas trop, franchement, le fait qu'il y ait un seul bac. Et là, comme on peut le séparer, je suis mais vraiment, vraiment, vraiment séduite. Et le manche aussi est ajustable. Après, je sais que Axia vend des recharges, je les ai vues. Les recharges, je pense que j'irai les prendre une prochaine fois. Ils sont à moins de 4 euros, les recharges de serpillière. Je pense que j'en reprendrai quand même parce que un jour, ça va bien s'abîmer. Donc, il faut, moi, quand c'est comme ça, quand c'est des trucs à recharger, je prends toujours des recharges au même magasin. Donc, je vais en reprendre les recharges. Donc, ça, c'était pour moins de 20 euros. Je le testerai sûrement, ça, c'est sûr. Et je vous dirai ce que j'en pense. Si toutefois vous avez déjà acheté celui-là, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est pareil que les grandes marques? Ou est-ce que vous avez des soucis avec? N'hésitez pas à me dire en commentaire comme d'habitude. Donc voilà, cette vidéo, elle est terminée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, portez-vous bien. À bientôt.